Bonjour à toi, cher spectateur. Ça va faire la septième année que j'essaye de trouver un concept pour que vous ayez votre petit rendez-vous quotidien sur la chaîne le mercredi. C'est compliqué de trouver de nouvelles idées. J'avais potentiellement imaginé un concept autour des ressorties, parce que chaque semaine, généralement, il y a un long métrage qui ressort en salle plus ou moins vieux. Et j'avais imaginé potentiellement vous proposer de redécouvrir un vieux film. Le seul souci, c'est que ça me fait encore une masse de travail supplémentaire, puisque ça demande à nouveau que je remate des films, et pas que des sorties, mais en plus des vieux longs métrages. J'ai déjà du mal à le faire de manière quotidienne, juste pour mon plaisir personnel. J'ai pas forcément super envie, même si je pense que d'ici quelques années, je vous propose un truc comme ça. Je trouve que c'est compliqué, et ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps, et ça dépend en fait des films qui sont disponibles. Donc, j'ai eu cette idée, carte blanche. Le mercredi à partir de maintenant, ou en tout cas cette année, c'est carte blanche. Je vous parlerai d'un sujet qui sera plus ou moins en rapport avec l'actualité, une pensée fugace, une envie de vous évoquer un film, de vous parler de quelque chose qui me passionne. Ça sera carte blanche. J'ai décrété cette année que voilà, le mercredi, j'allais me faire plaisir, j'allais vous parler de ce qui me plaît, de ce qui me fait vibrer. Potentiellement et en grande majorité, je pense, dans le monde du cinéma. Mais donc, du coup, voilà, vous me retrouverez sur ce canapé tous les mercredis à vous parler d'un sujet, bah, s'il n'est pas random, en tout cas un sujet qui est assez libre pour ma part. C'est pas forcément un truc qui me serait venu instinctivement en tête, mais je me suis dit, en y réfléchissant tout au long du mois de décembre, où je cherchais une idée en fait de concept qui tiendrait le mercredi pendant toute l'année 2023, je me suis dit, bah, pourquoi tu parlerais pas tout simplement de ce qui te passe par la tête? De ce qui te plaît, de ce qui te fait envie, de ce que tu auras envie de conseiller, de ce que tu auras envie de partager avec les gens, de créer un petit débat peut-être autour d'une thématique. En fait, je me dis que tout ce que j'arrive pas à caler sur la chaîne par le biais de formats des fois annexes, comme ça peut être le cas avec les hors-séries où des fois je parle juste d'une thématique, j'évoquais justement que je le faisais beaucoup moins. Je me dis qu'au travers de ce format, je peux me permettre de vous parler d'un petit peu tout et n'importe quoi, de vous évoquer un sujet, de parler d'une polémique, de parler d'une thématique en rapport plus ou moins avec l'actualité, mais au moins je pourrais parler de ce que je veux. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine pour donc ce nouveau format carte blanche. J'espère qu'il vous plaira et d'ici là, bah, portez-vous bien et bonne semaine de continuation des tops, soit dit en passant, puisque ça continue ce soir.